Alors, naturel ou irrationnel? That's the question. Est-ce que tu te souviens, Alix, du cours qui dit que racine de n, ou bien il est un nombre naturel, si n est carré parfait, ou racine de n est un nombre irrationnel? Je rappelle que irrationnel, c'est le nombre réel moins le nombre rationnel. Par exemple, racine carrée de 4, racine carrée de 169, ou racine carrée de 3 200 521 sont tous des nombres naturels. Car 4, 169 et 3 200 521 sont des carrés parfaits. 4 égale 2 carrés, 169 égale 13 au carré, et 3 200 521 égale 1789 au carré. Aux armes, citoyens! Bien. Par contre, racine de 1945 n'est pas un nombre naturel. N'appartient pas au nombre naturel. Il est irrationnel. Avec ta calculatrice, tu peux vérifier que racine de 1945 est égale à 44,102145. Autrement dit, 1945 n'est pas un nombre carré parfait. Et maintenant, la grande question que je te pose, est-ce que le nombre suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., 52, 53, 54, 55, 56, 57. Est-ce que ce nombre-là est un carré parfait ou pas? Comment il s'obtient-il? Ben, je l'ai écrit en m'amusant, en collant tous les nombres naturels de 1 jusqu'à 57, sans aucune exception. Bien sûr, tu peux essayer d'extraire la racine carrée de ce nombre avec la calculatrice, mais tu sais, ma TI 83 Premium, Premium CE, oui, affiche erreur dépassement. Tu peux qu'à vérifier que c'est vrai, erreur dépassement. Pourtant, la réponse est facile à trouver, et ça sans faire aucun calcul. Une idée lumineuse pourrait te venir, Alix, en regardant la vidéo numéro 343. C'était la précédente, ça c'est la 344. Et surtout entre 1 minute 7 et 1 minute 18. Bonne chance. J'espère que tu vas trouver la réponse.